Alors, on va continuer là où on s'arrêtait hier. C'est lui qu'il faut que j'aille voir. Eivor, il me semblait bien avoir senti ton odeur dans la brise. Gunnar, à la vitesse à laquelle tu es parti, j'ai cru que les Valkyries t'avaient emmené. C'est vrai. Cette Valkyrie que voilà. Brigid, racine de mon cœur, je te présente Eivor. Il faut être une femme d'exception pour avoir dompté Gunnar. Pavdinda, c'est ma Ziguili. Ravi de te rencontrer, moi aussi. Comment vous êtes rencontré? Parle-moi de toi. Comment t'es-tu trouvé une femme dans cet endroit perdu? Une vendeuse de runes est passée par ici. Plus belle que toutes les pierres de sa musette. Elle m'a proposé une rune en échange d'une broche que je fabriquais. J'y ai gagné au change. Mais c'est cette vilaine babiole qu'elle adore. Tu as de la famille, Brigid? Nath mama dad carried even gilly than Anun. Conan helped ruse me. Sa mère était la grande prêtresse, et son père, l'Elderman précédent. Depuis leur mort, c'est l'Elderman actuel qui veille sur elle. J'aimerais rencontrer cet Elderman, surtout s'il y a union de nos deux peuples. Une union forgée par l'amour. Viens, nous allons lui rendre visite. Et ne m'en veux pas de lui avoir déjà parlé de toi. Viens-tu avec nous, Brigid? Dim Jolch, you two bags of air sich o gwmpas gilydd, a teifor gael clis llawn. Je vois. On se met en route, alors. Comme ça, l'Elderman a déjà entendu parler de certains de mes exploits. Pas seulement par moi. Ton nom sera sur les lèvres de tous les Skalds pendant de nombreuses années. Et la présence de Vikings ne gêne pas trop les Merciens? Ils viennent d'un peu partout pour fêter Samhain. La plupart sont trop occupés par les festivités pour prêter attention à nous. Samhain? C'est pour cette tradition qu'il y a toutes ces racines sculptées? Oui. Des visages taillés pour en faire des lanternes, chassant les esprits et guidant les enfants chez eux. Elles ont un aspect inquiétant. On devrait en rapporter quelques-unes. De nouvelles requêtes sont arrivées pendant ton absence, Eivor. Zéro. Voilà l'Elderman. Chinon! C'est un bon chef qui s'occupe des habitants. J'aimerais lui serrer la main quand il sera moins occupé. D'accord. Viens, je vais te présenter à Tudre. Il a les mains aussi moites qu'un hareng crevé, mais beaucoup de cœur. Et il remplacera Chinon au poste d'Elderman. Tudre, voici Eivor, à qui j'obéis. Ah oui, à entendre Gunnar, je m'attendais. À ce que j'arrive sur un cheval ailé, ou rende la vue aux aveugles, ses compliments sont aussi tordus que son marteau. Ah, d'autres païens à notre table. Magnifique. Que viens-tu faire ici? Je suis venu hâter le mariage de mon ami et boire mon poids en bière. Si cela débouche sur des amitiés, ce n'en sera que mieux. Et qu'a apporté l'amitié des Danois à la Mercy chrétienne? À part remplacer des rois désignés par Dieu, et cela par des pantins. Grâce à ces pantins, vos terres sont en paix et vos panses remplies. Je ne demande pas de remerciements, mais l'hospitalité. Des pommes? Eivor, il faut absolument que tu goûtes le cidre. Tu aimes le cidre, toi, Tudre, hein? Le cidre. Ah, tu dois être Eivor.
Toudre, je vois que tu as accueilli notre invité d'honneur. Tu viens à temps pour mon dernier sommeil. Sur ton ordre, nous accueillons tous les païens qui viennent à Gloucester. Toudre, en tant que roi des récoltes, je te demande de sortir le navet que tu as dans les fesses et de te montrer aimable. Ainsi, tu es venu rencontrer la famille de ma Brigitte, avant de nous la prendre pour en faire l'épouse d'un forgeron. Son arrivée dans le clan du Grand Corbeau est un honneur, mais l'endroit où nous vivons est moins riant qu'ici. Je vais céder ma fille et mon pouvoir en cette saison brumeuse. Mais Gunnar est un homme bon qui ne cesse de dire du bien de toi. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai affaire ailleurs. Ah oui, le sanctuaire. Avec tous ces voleurs et ces bêtes sauvages, le service de Dieu peut se montrer périlleux. Chinon, je n'ai pas besoin d'une escorte de païens. Fauché en pleine jeunesse, sans même le souvenir de cuisses brûlantes et de cidre pour le réconforter dans l'au-delà. Alors sur mon honneur, je m'engage à te le ramener sain et sauf. D'accord, Toudre ? Mieux vaut m'y résigner. Mais une Danoise accompagnant mes prières à Sinkenhelm, Dieu va en pleurer. Ma promise m'attend, Eivor. Si tu veux te joindre à nous, il y aura Odening ce soir. Allez, puissiez-vous devenir bons amis. Et méfiez-vous des fées, des farfadets et autres créatures. Je dois m'occuper d'épousailles, d'une cérémonie d'apprentissage, sans oublier un port à saigner. Y allons-nous ? Samei. Chinon fait trop de cas de ces païens. Tout ça disparaîtra quand je serai Elderman. Des feux, de la magie, des esprits dans l'air. Le Gloucestershire s'est éloigné de la lumière de Dieu. Les gens ont besoin de se divertir, surtout avant l'hiver. Une fête apporte chaleur et bonne humeur. La lumière de Dieu ne faiblit pas par temps froid. Mais l'hiver ne ménage pas les enfants. Les voir courir ainsi... Cela réchauffe le cœur. Il y a des prêtres par ici. J'en ai rencontré quelques-uns, mais bien peu m'ont plu. L'impiété règne par ici. Je suis le seul représentant de la foi. Ces gens sont un troupeau qu'il me faut guider. Et comment comptes-tu t'y prendre ? Ils vont remplir les rangs de l'église et le remercier pour ses bienfaits. Sans fausses idoles de bois et figurines d'argile. Et pourtant, tu vas toi-même aller prier une idole. Ce Sinkenhelm est-il ton dieu ? Non, mais nous ne l'appelons pas ainsi. Il est simplement plus proche du Seigneur. Au bas d'un pré à vaches, sous des ronces, repose le pauvre Kenhelm, né d'un roi. Tu ne trouves pas ce lieu splendide, Eivor ? Si. Écoute, ce chemin ne présente aucun danger. Je n'ai donc pas besoin de t'accompagner. Tu es plus gentil que tu ne veux bien le montrer. Je ne te laisserai pas. J'ai promis à Chinon de te ramener sain et sauf. Je ne comprends pas le mode des prières des chrétiens. C'est debout que je rends grâce à Odin. Pourquoi se salir les genoux ? Par humilité devant Dieu. Et je me suis sali les genoux en de bien pires circonstances. Voilà une histoire que j'aimerais bien entendre. S'il te plaît, Eivor, je dois prier. Je dois regarder ou me retourner ? Oh Seigneur, accorde à ton humble serviteur ton plus grand présent, la patience. Je n'interromprai pas ta prière pour te protéger, Toudre. Tu ne cesses pourtant de le faire. Qu'est-ce que tu as vu ? Un lièvre ? Toudre, mets-toi à l'abri ! Cache-toi quelque part ! D'où sont-ils sortis ? Il s'en est fallu peu. Eivor, merci de m'avoir sauvé. Heureusement que j'étais là pour te protéger. Peut-être Chinon voit-il l'avenir. Oh, saleté.
Des sabots fendus envoyés par Lucifer. Il est temps de rendre ces terres au Seigneur. Je crois plutôt que ce sanctuaire est sur leur territoire. Seigneur, nous te remercions pour ta protection. C'est dangereux ici. Laisse-moi prier un instant, Eivor. C'est tout ce que je demande. Nous devons rentrer à Gloucester. À moins que tu veuilles remercier ce petit martyr pour le festin de ce soir. Je ne suis pas un nourrisson qui a besoin de soins constants. Rentre sans moi. J'ai donné à Chinon... La parole, oui, oui. Quand je le verrai, je lui dirai que tu m'as évité de me faire embrocher par les cornes de ces démons. Et Eivor, je t'offrirai à boire tout à l'heure, si cela te tente. Retrouve-moi à la fête. Eivor, tu es là. Me voici. Alors, quelles aventures as-tu vécues en mon absence ? J'ai accompagné Tudre au sanctuaire d'un saint chrétien. Le trajet fut mouvementé, en particulier à cause de sangliers. Odd, but path now you should serve. To the Breaver. Mais tu l'as sauvé. Ce devait être quelque chose de vous voir ensemble. J'ai honoré ma promesse envers Chinon. Ce crétin de Tudre est en vie. Tu sais te retenir maintenant. Je m'attendais à ce que tu en fasses de la bouillie de ce garçon. J'ai forgé des alliances dans presque toute l'Angleterre, Gunnar. Et j'ai eu affaire à des gens bien pires que Tudre. Il me faut à boire. Et c'est le cidre. Il est fait avec les pommes de l'an dernier. Skål. Skål. Bon, vous m'avez invité à un Odening, mais sans me dire de quoi il s'agit. Nigwiskalan Vela spread you on creatures of the Vale. The bag for treats. Gloucester offre ses surplus aux visiteurs surnaturels. Si tu te déguises, tu en profiteras toi aussi. Des cadeaux? Je n'ai vu ce genre de choses que lors de festins. Alors nous allons te transformer en bête et te faire arpenter les collines en réclamant des douceurs et à boire. Je n'appelle pas ça un déguisement. C'est une cape avec quelques ossements. Mais non! Tu es l'image même de l'esprit de la Marie-Louide. Allez, en route! Incarne la Marie-Louide, l'esprit qui chante pour obtenir des gâteaux et de la bière. Et tu ne récupéreras pas ta cape avant notre départ. Je veux bien conserver ça. Mais même avec un couteau sous la gorge, je ne chanterai pas. Dommage! J'ai déjà entendu ta voix, aussi claire qu'une cloche. Les étourneaux en tombent du ciel d'envie. Gunnar, si personne d'autre n'est déguisé comme ça... Attendez ou à malheur ! Qu'est-ce que tu veux ? Oh, la Marie-Louide ! C'est vrai, ce sont des gâteaux, pas de la bière cette année. En cette nuit de Samhain, la Marie-Louide vient frapper chez moi... Donne tes douceurs, donne de bon cœur, car tu n'as pas le choix. Ah ah, tiens, des douceurs pour la Marie-Louide, tu les as bien méritées. Tu joues le rôle de l'esprit roublard ? Les esprits voient quelque chose ? Les trous dans ce masque sont horribles. Il suffira d'un masque et de quelques gâteaux pour te transformer en gentil skald. Je ne chanterai pas, Gunnar. L'heure est-elle à la rime ?
Sur la route en deçà, il y a un piège fait par moi. Prends garde à ce que la Marie Louide ne le retourne contre toi. Oh, merveilleux! Ah, les soulards le nez dans la coupe, a effrayé plus faible que soi. Non! Oh, les dieux soient loués! Cela fait un moment qu'on attend le passage des enfants pour aller à la fête. Serre-toi bien! Regardez-moi ces gâteaux. Doux comme du miel, Gunnar. Il faut que tu vois ça. Gunnar, mes gâteaux. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Que dans la nuit ombre, ils virent à la croisée des chemins. Une enfant. J'ai des gâteaux faits par maman. Tiens. Je t'ai dit d'emmener tes faux dieux et de retourner dans ta cabane. Il faut être courageux ou idiot pour s'adresser ainsi à un membre du clan du Grand Corbeau. Joli nom pour des charognards, des rats ailés qui ne font que dérober. Je vais picorer tes vilains yeux et les offrir à ton dieu. Gunnar, nous sommes des invités ici. Laisse-le. Continuons le haut de Ning. Toi, si tu as envie qu'on te brise le nez, je peux arranger cela. Christ, Simtor. C'est l'heure de mourir. On devrait tous vous faire brûler vif. Tu es sûr de ne pas vouloir rester pour toujours à Gloucester? Ces gens savent s'amuser. Partant, ma jambe. Gunnar. Bienneval, assez. Gardez vos querelles de l'autre côté du fleuve. Il y a des enfants ici. Tu n'as pas d'ordre à me donner, sorcière. Tamas Fletcher, je t'ai fait venir au monde. J'ai essuyé le sang de ta mère de ton visage, alors tâche de tenir ta langue. Voyons plutôt cette jambe. Ce n'est rien. Attention avec ce vieillard. Il a les blessures de nombreux hivers. Tilokis, montrons ce compas de Patsislan. Ton aide est la bienvenue. Les hommes se noient dans la bière lors de Samhain. Mais la paix est fragile. Et une fois Tudr devenu Elderman... Cet homme t'a appelé sorcière. Je dirige les habitants du Gloucestershire, obéissant aux anciens rites. Mais je prodigue mes soins des deux côtés du fleuve. Gwynedd, ma belle, rends-toi chez moi et rapporte de la pommade à l'ail. Et les asticots ? Allons-nous nettoyer ou couper, mère ? Oui, rapporte les verres, on ne sait jamais. Mais dépêche-toi, je promets de ne rien couper avant ton retour. Gaïr me protège. Content que tu trouves ma blessure mortelle amusante. Va, Ivor. Amuse-toi et tâche de dérider Tudr. Modron, ne te sens pas obligé de sauver sa jambe. Je comprendrai. Il la conservera. En revanche, il n'y a en Angleterre aucun remède capable de l'empêcher de baver. Je ne fais pas de miracle.
air amer et de bons amis. Une belle manière de terminer une journée. Seul enfin avec tes pensées. Eivor, peut-être. Pour le roi des récoltes, chaque instant devient un délice. Cette abondance, je vais bientôt en faire partie. Mais mange, bois, profite de tout ce qu'ont à offrir les bois de Gloucester. Eivor, te voilà. Tudre. Heureux de te voir. Gwilym m'a défié à un concours de boissons. Joins-toi à nous, il ne durera pas longtemps. Donne-moi une coupe. Je coule la bière. Et une pour moi. Pour un vaillant homme du Christ, tu as beaucoup de cicatrices, Gwilym. Tous ceux qui portent tonsure ne sont pas des mulots d'abbaye. Je suis venu à Dieu après avoir longtemps péché. Au foyer sacré et aux yeux humides, rien de tel que retrouver la raison grâce à la boisson. Skål! Allez! L'honneur de Gloucester est en jeu. Je ne laisserai pas ma place à quelqu'un qui lave la bière. C'est trop fort pour toi? Quelle horreur! Allez! Alors, on titube? Il promène mieux que ça! Des nourrissons, videz. Ça va commencer un jour. Allez, bois, mon gars. Bois. Montre à la Danielle ce que tu fais. Il a gagné. Elle est forte, Tudre. Cela me fait chaud au cœur. Tiens, je t'offre une autre coupe. Aux alliés, anciens comme nouveaux. De tous les Eldermans que j'ai rencontrés, tu es le moins éprouvé par tes tâches. Tu as un secret? Aucun. C'est très simple. Tous mes soucis quitteront bientôt ce monde avec moi. Alors, buvons à ma vie. Et à ma mort. Ta mort? Je vais être sacrifié dans l'homme d'osier en tant que roi des récoltes. Comme l'Eldorman Simkin avant moi, et tous les autres avant lui. Quelle horrible pratique. Une offrande de flammes après de mauvaises récoltes, en espérant que les dieux soient généreux. Un vrai père se sacrifie pour les siens. Il offre sa chair et son sang. C'est un sort triste, oui, mais un grand honneur. Ah, tes paroles rappelleraient presque celles du Christ. Oui, mon gars. Tu comprends maintenant pourquoi quelqu'un comme moi voit la valeur des deux? Levons notre coupe, alors. À l'Elderman Chinon. Que chaque homme se montre joyeux et généreux envers lui, et cela jusqu'à sa mort. Vous êtes si bons, mes amis. Quant à moi, je lève ma coupe à Tudre, mon successeur, qu'il porte bien haut les camps. Fils de chat. Qu'est-ce que c'est? De l'eau?
J'ai l'impression d'être Thor qui avale l'océan. Où est passée l'ivresse? Tu as entendu? Donne-lui quelque chose de plus fort. Cela agira plus vite que n'importe quel tonique. Oui. Donne-moi des visions de toutes les créatures qui arpentent ces collines et tout le mal de crâne qui va avec. Ah, un goût de fiente de porc. Mais ça fait du bien. Eivor, sois franche. Et tant pis si j'en souffre. J'ai été un crétin, ne le dis pas. Et je dois dire que je le regrette. Un double, triple crétin, ouais. Des paroles douces pour une païenne sans cœur. Je ne suis cassante que vis-à-vis des gens malveillants. Mais je peux être aussi agréable qu'une tempête de printemps. C'est agréable, ça. Très, très agréable. J'ai l'impression que je te préfère quand tu es méchante. Toudre, avec le mariage de Gunnar et Brigid, nos maisons s'unissent. Nous pourrions aussi les rapprocher par un serment. Oh oui! Ma première alliée en tant qu'Eldorman. J'accepte! Nous allons prêter serment. Comment fait-on? Oui! Le plus grand serment et la plus grande union au serment. Au serment! Le plus grand! Je l'aime, Miss Speed. Chut, chut! Les gens dorment! De la bière pour sceller notre amitié. par ici, cherche la truie noire. Truie comme un cochon. Un cochon ardent qui te poursuit chez toi la nuit. Des bêtises pour affoler les enfants. Pour toi, la magie ne se résume qu'aux rêves des enfants. Peut-être. Suis-je trop sévère? Avec ce que j'estime être des semi-vérités. Ma langue est la proie des femmes. Il faut que j'aille pisser. Les ténèbres pourchassent les étoiles en formant de grands sillons de couleurs et de lumière. Ouassa! Nous y sommes. C'est là-dedans. J'ai chaud, moi. Tu n'as pas chaud? Il fait toujours chaud là-dedans. Ça m'étonne que tu ne te promènes pas tout nu. Oui. Eh bien, entre. Toudre ! Toudre ! Toudre ! Où es-tu ? Téton de Hel, que s'est-il passé cette nuit? Ah, et les effets de la boisson sont toujours là. Toudre, tu es là? La voilà! Qu'est-ce que ça signifie? Il y a du sang par terre. Et ton arme en est couverte.
Chenon, je t'en prie, ne te fie pas aux apparences. Laisse-moi l'occasion de plaider mon innocence. J'aurais mieux fait d'écouter les conseils de Toudre à propos des invités païens. Le pauvre l'a payé de sa vie. Maintenant que Toudre est mort, Gloucester va être privé d'Eldorman. Œil pour œil, ton clan du Grand Corbeau perdra sa dirigeante. Emparez-vous de cette meurtrière! Je ne dois pas être vu. Vite, ma capuche. Peut-être celui de Toudre, si c'est lui l'objet lourd qu'on a traîné. Ce pot a été brisé, et il est couvert de sang. Il a peut-être servi d'arme. Les gardes du corps de Toudre, tués au couteau. Des traces de pas boueuses. Quelqu'un s'est caché ici. La bourse de Gwilym. Contient-elle encore son petit quelque chose de plus fort? Pourquoi est-elle ici? Mieux vaut l'emporter. Bon, où ça me mène tout ça? Les meurtriers se sont cachés ici, à attendre, pendant que nous approchions à l'extérieur. Ils ont bondi depuis l'ombre pour tuer les gardes du corps. Et s'emparer de Toudre. Ensuite, ils l'ont emmené en le traînant, tout à l'heure de correspondre. Mis à part la bourse d'herbe de Gwilym. Je manque toujours d'équilibre à cause de la préparation de Gwilym. Peut-être que Mère Modron... Quelle triste histoire. Va, Sinin. Viens échanger des verres contre gâteau et bière. Les petits devraient être au lit, et moi aussi. Prends ton gâteau et rentre chez toi.
Montre-moi ces terres, mon ami. Voilà Modron, là-bas. Bonjour à nouveau. Mère, c'est l'ami de l'homme à la jambe blessée. Eivor, tu te souviens? En effet, oui. Ta visite me surprend. Est-ce que tout va bien? Absolument pas. Je me suis réveillée chez Tudr. Il y avait du sang partout, mais pas de corps. Les hommes de Chinon me recherchent et pensent que je l'ai tué. Oh, tu l'as embroché. Mère, je peux aller voir? Du sang, mais pas de corps? Il faut chercher à comprendre ce qui a pu lui arriver. Est-ce que le contenu de cette bourse te dit quelque chose? C'est une préparation assez rare. Je sais qu'un druide se sert de ce mélange pour aider à dormir. Un moine du nom de Gouilé m'en a versé dans ma coupe hier soir. Les effets ont été intenses. Fouillez les maisons! Elle n'a pas pu aller loin! Ils te cherchent. S'ils apprennent que je t'ai aidé, je risque ma tête. Pourrais-tu... Je n'ai rien vu, ni personne. Mère, si l'étrangère veut d'autres herbes, elle peut aller voir Alewyn le druide? Oui. Alewyn vit dans une cabane sur un lac, près du confluent de la Sherwell et de la Great Ouse. Mais c'est un homme étrange. Il parle rarement aux vivants et préfère la compagnie des esprits. Bon, j'ai affaire à Hollendrich. Retrouve-moi là-bas. Que vois-tu, Sinine? Alors, nous nous retrouvons à l'est de Klossen. Elle est sur un lac. Peut-être là-bas. Thank you.
Ce doit être là qu'habite le druide. Ces terres sont peuplées d'hommes en paille ou en petits bois. Comme l'avait dit Modron, je devrais peut-être me déguiser. Oh, esprit, enfin te voilà! Il y a plusieurs jours, un nuage a annoncé ta venue par des gouttes de pluie au parfum de soleil. Mais quelle est ta vraie forme sous ces atours de cheval et d'ossements? Es-tu du royaume des fées? Surtout, ne réponds pas. Je respecte ton secret. Quoi que tu puisses être, le rite peut maintenant commencer. Mais les hommes en branchage et en paille doivent t'annoncer par le feu. Incendie le ciel pour renaître ici, en cette fin de saison. Et ainsi, je t'attendrai en rendant grâce au cœur du Vallon. Alewyn a dit que les hommes d'Osier devaient m'annoncer par le feu. Peut-être dois-je les faire brûler. Oui, un autre rejoint la multitude. Un autre. Un autre. Ils rugissent, les entends-tu? C'est un cœur de flamme. Je pense qu'il n'y en a plus. Retournons voir le druide. Parle-moi, ô vent! Je suis venu te poser une seule question. Quelque chose me trouble dans ton apparence et ta manifestation physique. Es-tu vraiment un esprit de lumière? Je suis un esprit comme les autres. Alors prouve-le. Avant que je t'aide, montre-moi que tu connais la profondeur des mystères de ce monde. Dis-moi le bon usage des charmes. Très bien. Propose tes énigmes. Quel charme accorde la parole aux morts? Donne-moi une mesure de temps. Serais-tu un esprit des ténèbres? Dans le cas contraire, reviens et essaie encore. Quelles sont ces choses qu'il me demande? Sa maison devrait abriter les objets qui me seraient utiles. Un nœud coulant, un couteau, et la fiole sans le poison. Trois manières de tuer quelqu'un.
Deux cuillères taillées dans la même branche. Les rainures correspondent. Cette dague est disposée à l'envers. Ils ont la bouche ouverte, comme s'ils avaient hurlé des secrets. J'ai déjà vu ce symbole sur des boucliers et des pierres. Il refusera peut-être de parler à Eivor, mais pas à l'esprit de la Marie. La statue d'une femme, Sabrina, me regarde depuis l'eau en contrebas. La statue d'une femme, Sabrina, me regarde depuis l'eau en contrebas. Parle-moi, ô vent! T'es-tu trouvé toi-même? Si tu es un esprit de lumière, réponds à ceci.
quel charme accorde la parole aux morts. Le charme des âmes au crâne invoque la voix du domaine des défunts. C'est ainsi que je parle aux druides morts depuis longtemps. Mais toi, en tant qu'esprit, le savais déjà. Quel charme apporte de l'aide aux jeunes filles? Les jeunes filles en danger sont protégées par Sabrina de la Severne. Sabrina la nymphe, oui! Dis-moi, être d'air et de lumière, quel charme utiliserais-tu pour laisser le passé derrière toi? La dague appelée Atamé coupe nos liens avec le passé. La lame retroussée, les choses peuvent être inversées. Tu connais ce charme? Tu es un esprit de lumière, ma bonne soit louée. Veux-tu un peu de pain et de crème? Non, seulement une réponse. Cette bourse d'herbe est arrivée à Gloucester dans les mains d'un homme étrange. La connais-tu? Oui, elle contient un mélange pour l'aider à dormir. C'est moi qui l'ai rempli. Et devant une coupe de vin de pissenlit, il a parlé avec émotion de chez lui, coup de ladronne. Coup de ladronne? Très bien, je te remercie, Alewyn. Mais j'ai d'autres gens à voir en cette lune des récoltes. Va avec le vent et les feuilles, ami de ces collines. Coup de ladronne. Un nom étrange. Quoi qu'il en soit, Modron m'attend aux pierres, près d'ici. Va voir, Sinin. Je vois Modron, un peu plus loin. Jusqu'où les gens me recherchent-ils? Assez loin pour que tu restes dans la campagne et que tu conserves ce déguisement. Le corps de Toudre n'a pas encore été retrouvé. Cela a été une nuit de fête. Je ne me rappelle pas grand-chose, mais il n'y a eu aucune dispute avec Toudre. Une triste histoire. As-tu appris quelque chose auprès de Alewyn? Il a donné des herbes à un homme de Coup de Ladronne. Il s'appelle Gwilym, et il a bu avec Toudre et moi-même. Coup de Ladronne est le nom gallois de l'antre des voleurs. C'est au sommet d'une colline, à l'ouest d'ici. Je peux t'y mener. Je te suis reconnaissante de ton aide. Rien ne t'obligeait à me croire. Le sort de Toudre m'importe autant qu'à toi. C'est une affaire préoccupante que j'aimerais résoudre moi aussi. Alors faisons vite, retrouvons Gwilym et rétablissons mon honneur. Cette forêt, comme l'ensemble du Gloucestershire, semble vierge. J'ai l'impression de faire entrer ma monture dans un autre monde. Thank you.
Bienvenue, brave voyageur. Toi qui es son enfant curieux. Je suis Brendan d'Irlande, et par la lumière et la voix, ces pierres se sont adressées à moi. Ici se trouvent ces marques, là où une deuxième voix, plus forte que la plupart, m'a parlé de nouveau. Écoute tout ce que j'ai appris par la prière. Il y a longtemps, eut lieu une grande et tragique guerre. Les enfants des dieux qui vécurent avant le déluge. Je prie pour ces anges rebelles qui étaient là avant. Compris, hein. Je fais une chute là. Est-ce qu'il est marqué la zone? Ouais, j'ai là-bas. Cette forêt, comme l'ensemble du Gloucestershire, semble vierge. J'ai l'impression de faire entrer ma monture dans un autre monde. Oui, il règne ici une magie ancienne. Toudre et son église s'empresseraient de faire disparaître. Toudre a évoqué la christianisation. Tu crois que c'est pour cela qu'on s'en est pris à lui? Beaucoup sont prêts à tout pour une place plus élevée. N'importe qui a pu faire disparaître Toudre. Mais tu es une sorcière. Tu as accès au savoir des dieux. Tu n'as rien vu? Je vois beaucoup de fumée. Pourrait-il s'agir d'autres Danois de passage? Des rivaux, peut-être? Si c'était le cas, nous aurions déjà entendu leurs cornes. Nous aimons faire savoir que nous sommes là. Des voix fortes et des haches acérées. Coup de ladrone, l'antre des voleurs. C'est ici que je te quitte. Tu vas te trouver un lieu sûr? Il y a un sanctuaire près d'ici. Si tu as besoin de moi, retrouve-moi là-bas. Que les dieux anciens et nouveaux t'accompagnent. On m'attaquera à vue par ici. J'ai besoin de ta vue, mon ami.
De Nimue. C'est la voix de Toudre. Il est en vie. J'ai souvent vu des bandits frapper et fuir immédiatement. Cette scène me rappelle une telle méthode.
voilà vengé, mon ami. Ce doit être là que se cache Gwilym. Oh, peste. Comme tu dis, oui. Eivor, tu es vivante. Comprends-moi, j'avais des ordres de l'Elderman Chinon. Il nous a payés pour le débarrasser de Toudre. Alors qu'il se fasse rembourser. Mercenaire de fiente, même pas capable de tuer un homme. Tu as mal choisi ton bouc émissaire, Gwilym. Oui, nous... Nous pensions que... En le gardant vivant, Chinon nous aurait payé davantage pour garder son secret. Pourquoi Chinon paierait-il pour faire tuer Toudre? Il doit lui succéder. Nous n'avons pas posé autant de questions. Moins on en sait, mieux c'est, non? Vous décidez de le faire payer, mais sans en savoir plus. Bande de crétins. Écoute, nous n'allions pas le tuer. Nous commencions à apprécier sa compagnie. Dis-lui, mais dis-lui qu'on a pris soin de toi. Chinon a fait ça? Pourquoi? Je n'ai rien fait. Par les dieux, il est mort. Réveille-toi, réveille-toi. Dis à la Danoise que je t'ai donné la béquée comme à un oisil. Ah, pose-toi, crétin. Ah, écoute, Eivor, nous sommes amis, non? On a bu ensemble. Tu te souviens des poulets? Tais-toi, ou je t'arrache la langue. Toudre a besoin d'une guérisseuse, ils lui ont mis du fumier sur le visage. Ah ça, j'ai été retenu par des geôliers plus délicats. Merci pour ton aide. Et tâche de ne pas te retrouver prisonnier une fois de plus. Merci, étrangère. Tu as bon cœur. Je te remercie. En me réveillant dans cette tanière de démons, j'ai craint le pire. Garde tes forces, Toudre. Le chemin sera long. Chinon a ordonné ma mort? Je ne comprends pas. Il me traitait comme un fils. Tu es fini. Chinon a ordonné ma mort? Je ne comprends pas. Il me traitait comme un fils. Je compte lui demander moi-même. Je me suis montré têtu lorsqu'il affirmait que les païens étaient comme nous, désireux de vivre en paix, sous les auspices de nombreux dieux. Un visage, ou plusieurs. Peu importe, nous sommes tous bénis de vivre dans sa gloire. Cette aventure t'a donc changé, Toudre? M'a changé? Changer mes pansements. Il est brûlant et son esprit vagabonde, mais il est encore en vie. Peut-être une maladie du sang. Quelle tristesse. Ce sont ces hommes qui l'ont capturé. Ils disent avoir agi sur ordre de Chinon. Chinon est responsable? Oui, mais j'ignore pourquoi. Il leur a donné de l'argent pour se débarrasser de Toudre. Tu as le résultat sous les yeux. Ils ont toujours été ainsi, Chinon et ce garçon. Des chrétiens discutant de la nature de la vie avec moi. Mais il s'est adouci.
Les hommes sont prêts à tout pour le pouvoir et pour sauver leur peau. Peut-être voulait-il faire brûler Tudr à sa place. Le rite n'exige pas que ce soit le chef ? S'il avait nommé Elderman le cadavre de ce garçon, la tradition aurait été respectée. Alors il restera en danger tant que je ne me serai pas occupée de Chinon. Peux-tu le soigner ? Je suis une excellente guérisseuse. Mais si les dieux veulent le rappeler à eux, je suis impuissante. Que comptes-tu faire de Chinon, Eivor ? Je compte dévoiler ses méfaits. Laissez les habitants décider s'ils méritent une mort honorable. Cet homme a sali ton nom et tu comptes lui laisser la vie. La honte se paie par la honte. Quand j'en aurai fini, même son dieu ne voudra plus de lui. Tu es décidé, je vois. Alors chevauche tel Rhiannon. Merci, Modron. Et s'il te plaît, prends soin de Tudr. Il faut que je trouve Chinon avant la fin des festivités. Je dois trouver Chinon avant qu'on ne me remarque. Autant commencer par la maison. Te caches-tu, Chinon? Il n'est pas là. Mais peut-être que quelqu'un l'a vu. Réglez-la. Je vais me frotter les oreilles dans l'espoir qu'elle reçoive. Eivor! Finally, Tiri de Khwaled! Brigid, je suis contente de te voir. Eivor! What has become of Tevter? Did you faint your scarf? Merci. J'ai retrouvé Tudr, vivant et en bonne santé. Il faut que je parle à Brigid! J'ai trouvé un nid abandonné dans la charpente. Je vais aller l'apporter à mère. If you cattle it, then the Babans will do no lay a god. Encore toi? La bouchère de Samhain. Bouchère de Samhain? Peu importe. Gwynedd, je cherche Chinon. Tu sais où il est? Il est occupé par la fête et m'a envoyé voir Brigid. Je me suis entraînée à la magie. Tu veux voir? Tu me conduiras à Chinon si j'accepte? Un seul tour et je te montre où il est. Bon, alors, mets la main dans cette bourse. Et le nombre de pierres que tu tiens est... 3. Une merveilleuse magie, Gwynedd. Mais il faut vraiment que je trouve Chinon. Tahlia de Yamser! Viens! Allons le trouver. Il y a les dames de l'église. Elles... J'aimerais en savoir plus sur toi, Gwynedd. Tu es assurément un curieux petit oiseau. Mère dit que personne ne me ressemblera dans toute la création. De l'aube des poussières jusqu'à la fin des chagrins. Ta mère te fait confiance et te laisse courir le monde toute seule? Elle passe les fêtes à bénir des ermites et des vieux cailloux. Ça n'a rien d'amusant. Et ton père, Gwynedd? Où est-il? Eh bien, je ne suis pas censée le dire, mais je suis née de l'union entre ma mère et Cernunnos, le roi cornu de la forêt. Es-tu proche de Brigid? C'est comme une grande sœur. Mais je ne la verrai plus beaucoup une fois qu'elle sera partie avec Gunnar et toi.
À quoi passes-tu tes journées, Gwynedd ? À trouver des choses mortes pour les sœurs de ma mère. J'en ai toute une collection. Des oiseaux, des souris, des hannetons. Et je danse, je parle aux chats. Il faut que je trouve Chinon. Il y a les dames de l'église. Elles n'aiment pas cette fête. Mais ma mère dit qu'elles viennent quand même pour caqueter comme des poules. Tu veux voir un autre tour? Je peux faire sortir un gland de ton oreille. Il faut que je trouve Chinon. C'est important. Tant pis pour toi, la bouchère. Eivor, s'il te plaît. Pourquoi cette femme porte-t-elle un masque rayé? C'est un blaireau. Pendant la fête... Tu as vu l'Elderman Chinon? Oh, ton visage de païenne m'a surprise. La nuit est tombée, donc Chinon doit prier à l'église. J'ai besoin de le voir. Même si tu as quelque chose à régler, cela devra attendre le matin. Il s'est fait enfermer et seule Geva a la clé. Et Geva me laissera-t-elle entrer? Elle a pour ordre de ne laisser entrer personne. Mais elle peut très bien l'oublier. Cette pauvre fille oublierait sa tête si elle n'était pas attachée. Merci de ton aide. Je parlerai à Chinon demain. C'est une dénommée Geva qui est la clé. Il faut que je la trouve. Tu as vu Chinon, toi? Il n'est pas déjà dans l'homme de Dieu. Tu as vu Chinon? La Marie-Louise! Par le ciel, j'ai peur! Je cherche Chinon. Oui, d'accord. Oui, il est dans l'église. À ce propos, si tu vas de ce côté, il faudrait lui apporter cette caisse. Dis à Geva que c'est moi qui t'envoie. Entendu. À quoi ressemble Geva? Elle a un masque de blaireau, comme moi. Elle accourra sûrement en te voyant. Bonne chance et bonne fête de Samhain. Geva attend qu'on livre ceci à l'église. Cela me permettra d'entrer. Je dois rester à l'affût. Ah, la caisse. Oui, par ici. Ce n'est pas trop tôt. Cela fait des heures que Sarah aurait dû la déposer. Te voilà, langue de serpent. Eivor, est-ce que tu apprécies les festivités? Assez de ce jeu d'ombre. Toudre est vivant et je sais que tu comptais le sacrifier à ta place. Tu crois que je cherche à échapper aux flammes? J'irai volontiers dans l'homme d'osier. Je refuse de laisser Gloucester aux mains d'un zélote chrétien. Dans quel but? Cela laisserait les habitants sans chef et provoquerait la fureur de l'église. Ils ne resteront pas sans chef. Modron prendra place sur le trône au corps. Tu veux dire que Modron a menti? Nous t'avons fait tourner sur toi-même comme un chien. C'est Modron qui a eu l'idée de tuer Toudre, Eivor. Pour diriger elle-même le Gloucestershire?
Une tâche pourtant bien difficile à accomplir, cernée par autant de chrétiens. Il ne pouvait en être autrement. Elle a eu une vision de Toudre, entourée de flammes et brûlant tout ce que nous avions bâti ensemble. Tout ? Modron ? Toi ? Mais aussi Gwynedd ? Un homme doit mettre ses affaires en ordre avant sa mort. Assurer l'avenir de ses enfants. Ton grand projet s'est effondré. Il n'en reste rien de Shinnon. Je sais. J'ai eu tort de croire Gwynedd et sa bande de bons à rien capables de tuer un homme. Cette sorcière et toi, c'était ça votre plan? Me faire danser au son de votre duperie et assurer l'avenir de votre fille? J'ai toujours désiré Modron. Alors, lorsqu'elle m'a proposé de prendre part à une fête de la fertilité, j'ai tout de suite accepté. Ceci a donné naissance à Gwynedd. Mais a aussi unifié le Gloucestershire, ce que Toudre s'apprêtait à détruire. C'est là que tu t'es trompé, Shinnon. Toudre a changé. Il emprunte le même chemin que toi. Toudre ? Ce garçon est aussi têtu qu'une mule. Tu as pu le faire changer d'avis ? Pas seulement moi, mais la bonté des bandits et des Bretons. Ils respectent désormais autant le Christ que Cernunnos. Les prophéties tissent d'étranges toiles, n'est-ce pas ? Il a suffi d'un enlèvement et d'une danoise pour que s'envolent les convictions de Toudre. Eivor, Modron a dû emmener Toudre dans son temple de la forêt. Si tu fais vite, tu pourras peut-être l'empêcher de le tuer. J'ai beaucoup à faire ici. Sinon, je t'y aurais accompagné. Va. À moins que tu aies l'intention de me tuer. Tu es déjà un homme mort. Je ne veux pas que la population pâtisse de tes méfaits. Merci, Eivor. À n'en pas douter, ta miséricorde sera récompensée. Pas moyen d'être tranquille. Je ne dois pas être vu par ici.
passe. Tu ne peux pas gagner. Cette scansion. Le son est ténu, mais je reconnais la voix de Modron. Il y a sûrement un piège. Et pas un bug. Youpi. Moi je suis mort. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Je me dis que c'est... La prudence s'impose ici. Thank you.
Ce lieu a l'air étrange. Accepte ton weir. Je peux t'entendre supplier. Fini embrouillé. Suis-je entré dans l'Altheim ? Où est-ce que tu es ? Il saigne, il pleure, il meurt, il engendre. L'homme passe de la bête à la cendre. Modron, retiens ta lame ou la mienne te tuera. J'aurais dû savoir que Chinon n'aurait pas le courage de te jeter aux chiens. C'est toi la chienne pour avoir jeté ton amant au loup au nom de tes propres crimes. Tu sais si peu de choses. Peu importe. La fureur des dieux se chargera de t'éclairer. Retourne à la terre. Laisse le Blue Chester aux mains de ce chrétien.
pour y gagner quoi? Un peu de renommée, quelques voix marchandes. Tu doutes de la capacité de tes dieux à faire évoluer l'esprit d'un homme? Toudre n'est plus le zélote que tu imagines. Tout homme est prêt à mentir pour rester en vie. Il me tuera et il enverra les miens au bûcher. Les dieux me l'ont montré. Shinnon a parlé de ta vision. Les Nornir tissent leur terrible toile. Mais sans ton intervention, son cœur resterait inchangé. Je n'ai aucun regret. Mais sache que j'ai une vision à ton sujet. Celle d'une route aussi tortueuse que le lierre. La trame d'une vision entortille la chair comme le verbe. Une prophétie est un fleuve contre lequel on ne peut lutter. Elle cherchait à protéger son peuple. Mais elle a souillé ton nom dans la fange. Et ainsi, entaché son honneur et celui des siens. Je trace moi-même ma route. Clément est le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? La grande prêtresse Modron a tenté de te tuer. Mais pourquoi? Par Dieu, je ne lui ai rien fait. Elle craignait que l'Église se serve de toi comme d'un marteau divin. Alors elle a persuadé Shinnon de te faire tuer. J'ai tué Modron, mais Shinnon, lui, brûlera dans l'homme d'osier. Quel terrible gâchis! Le diable murmure à l'oreille des hommes. Mais nous devons ignorer sa voix. Modron a eu une vision où tu massacrais les païens. Et Gwynedd est la fille de Shinnon, qui a seulement cherché à la protéger. L'amour paternel est une vertu. Mais la colère est un péché. Comment peut-on mêler les deux? Il est facile de perdre la tête lorsque nos biens sont menacés, qu'il s'agisse d'un nom, d'un royaume ou d'un enfant. Bon, que deviendra cette fille de sorcière? Je vais trouver une solution. La pauvre n'y est pour rien. Je ne rejoindrai pas ton Église du Christ! Ce ne sera pas nécessaire. Est-ce que je peux sauvegarder? Oui. Donc je vais stopper là. En tout cas, s'il y a du monde sur le chat, merci d'être venu. Je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine. Et tchuss.